So can we just slow down? Et on rentre dans le vif du sujet. Il joue en profondeur. Quelle reprise de volée! Iheanacho. Il choisit là-bas, sur l'aile. Le drapeau ne s'est pas levé. Bien joué, ça. Il file au but. Il est lancé vers le poteau de corner. Il cherche à le servir. Quelle passe! Il centre. Ça panique un peu, là, la pression est énorme. La reprise. Oh, quel bel arrêt! Oh, qu'il est important cet arrêt! Oh. L'ouverture lumineuse. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Dans le dos de la défense. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il enchaîne les dribbles. Il tente de la jouer dans l'espace. La parade, superbe. C'est ça. Oh, ce jeu de passe, quel régal. La défense s'en sort, là. Faut tirer, là. Ah, il a failli en profiter. Il décide d'allonger le jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Et ce ballon vers ses attaquants. Centre à ras de terre. Oh oui! C'est tout simplement incroyable! Magic! Ah, mais c'est parfait, c'est le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette fin de rencontre. Oh, quelle efficacité incroyable! Ce n'était pourtant pas un geste facile, mais il le maîtrise parfaitement. C'est beau, ça! Stérile, quand même. Il centre directement. Il écarte, il joue sur l'aile. C'est centré. C'est une occasion, ça! Là, il a préféré jouer la sécurité. Il arrive à centrer. L'arbitre signale une faute. Iheanacho. Repiqué dans l'axe, peut-être. Bien joué, ça. Il peut tirer. Quel but! Yes! Oh, l'égalisation, meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et ils essaient de repartir de derrière. Le jeu repart vers la droite. Le centre dans la surface. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Bon ballon dans la surface de réparation. Nouveau ballon dans la surface. Danger écarté. Un bon centre dans la surface. Oh, le gardien est là, la classe. C'est un super arrêt, fine save. Quel match et personne n'a réussi à prendre l'avantage. Place au tir au but maintenant. Aucune des équipes n'a su faire la différence. C'était très disputé, on a quand même passé un bon moment. Et voici qu'approche le premier tireur. Allez, il faut convertir ce premier tir au but pour bien entrer dans cette séance. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Il marque lui aussi, un partout. C'est très bien tiré, la série a bien commencé pour les deux équipes.
Et voici le deuxième tireur. Au trop ! Mais pourquoi il frappe comme ça ? Qu'est-ce qui lui prend ? Il n'avait aucune chance de cadrer. Oh le gardien ! La parade ! Et pourtant, c'est super bien frappé ce tir au but. C'est vraiment le gardien qui a parfaitement anticipé. Il est resté scotché sur ses appuis. Il a vraiment eu les nerfs solides. Ce n'était pas facile de la mettre. Le capitaine se prépare. C'est un vrai leader. Plein de sang-froid. Il a pris le gardien à contre-pied. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Il a choisi le côté droit. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Superbe parade du gardien. Peut-être que le penalty n'a pas été très très bien frappé, mais c'est surtout le gardien qui fait un superbe arrêt. Attention, tir au but décisif. Si ça rentre, c'est gagné. Pour continuer, le gardien doit gagner son duel. Et une frappe qui décide du résultat de la rencontre. Et bien sûr, le gardien se sent coupable. C'est toujours extrêmement difficile de perdre dans une séance de tir au but. Souvent, le public adore ces moments-là, mais...